Cours numéro 2. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa lah amma ba'd. Fala nazal naqra wa lillahi alhamd fi hadhihi ar-risala al-mukhtasara nasihati li ahli sunnah lil-imam Abi Abdurrahman Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Nasiha mukhtasara, un conseil pour ahli sunnah. تقدم معنا أن ce conseil c'est principalement concernant الخلاف بين أهل السنة. فالخلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالسني fait tout pour s'écarter du خلاف. تقدم معنا في درسنا في الملخص الفقهي كتاب الصيام le chapitre du صيام أن بعض العلماء Rahmatullah alayhim, ils ont choisi un qawl dans la mas'ala qu'on a vu sur le fait de débuter le mois de Ramadan. Est-ce que tu suis tel pays, Amla? Est-ce que si tel pays, ils ont déclaré que demain c'est Ramadan, tout le monde doit suivre? Ma'ana al-qawl al-sahih, c'est que tout le monde doit jeûner, lakin, en bar de l'ulama, qu'a Cheikh Abdelaziz bin Baz, Rahmatullah alayhi, wa Cheikh al-Albani, Rahimahullah, et en sahoun, anna kulla wahidin, il jeûne avec son bilad pour éviter la division. Jusqu'à ce que l'Umma se rassemble sur Hada, et si un pays a vu le Hilal, tout le monde jeûne, falhamdulillah, wa illa, se diviser au sein du même pays que le Wahid jeûne, ça fait du mal, et le shaitan y rentre. Et on le voit Hada à chaque fois au début de Ramadan. Kalam kathir. Et kathir min al-nas, ils comprennent pas ces masa'il. Et certains yat'anoun dans tel pays, ce pays s'attarde toujours, ce pays il est toujours en avance. Il a akhre, et le shaitan il en profite pour diviser et rendre malade les cœurs. تأملوا موقف أهل العلم pour fermer cette porte يقولون tu suis ton pays مع أنهم ils ont la conviction أن الصواب c'est que tout le monde doit jeûner. Ils donnent de l'importance à l'ijtima. فهكذا نحن. On ne doit pas laisser الشيطان nous diviser pour أتفه الأسباب. فالشيطان يجري مجرى الدم. Et il est حريص كل الحرص pour nous diviser. Et si on ne fait pas attention, et si on ne donne pas de l'importance à l'ijtima', à l'al-haq bien sûr, peut-être que des choses qui ne méritent pas, de se diviser, elles nous diviseront. Ça arrive dans certains pays, dans certaines villes. Al-Nawad al-Ikhwa, ils ne se parlent plus ou ils sont divisés pour des choses. Ça ne mérite pas. À ne pas se précipiter. Ton frère, il est en divergence avec. Et tu te précipites directement. Hadrun, wa tahdhirun, wa raddun, ila akhir. Là, même si c'est une divergence, même si t'as le haq, même si lui se trompe, et t'as dali, ila akhir, il y a des moyens pour régler. Il y a des choses. Al-nasiha, al-bayan, al-sabr, al-sulh. Il y a beaucoup de choses pour régler. Pourquoi li'anna se diviser, c'est pas fi maslahati ahad. Quand on se divise, personne n'est gagnant. C'est ce qui veut le shaitan, faqat. Amma Allah, subhanahu wa ta'ala, amrana bil ijtima'. Lakin, ça arrive que ton frère, il se trompe. Ou il se met en colère. Ou il n'a pas compris une chose. Nous, on ne doit pas aider le shaitan. Ou nufrih le shaitan. Et au lieu d'essayer de régler les choses, on aggrave la situation. Là, même si ton frère, il s'est trompé dans une mas'ala grave, Montre-lui billati hiya ahsan birifq. L'essentiel c'est que ce frère il revienne. L'essentiel c'est que ce musulman il ne s'égare pas. Enfin, on fait tout pour montrer. On fait tout pour préserver hadhihi an-ni'ma. Et si wahid il veut pas, il s'entête et harab ahl al-haq, et c'est lui qui veut la division, fa hada on peut rien pour lui. Mais dans certains cas, au début la mas'ala n'est pas trop grave. Le problème peut être réglé au départ, là qu'un shaitan y rentre et ça s'amplifie avec le temps. Thumma à la fin, c'est très très dur de régler les choses. Kullu wahid, il veut le bien pour son frère. Kullu wahid, il espère que son frère, il est à l'al-haq. C'est ça notre but. Qu'est-ce qu'on va gagner si un tel il s'égare? C'est pour ça que sunni, même si il y a le kafir, il revient, wa yatub yafrah. On doit être heureux pour notre frère, on doit vouloir son bien. S'il revient à la tariq, on est la cause. Fata al-ajr, tu lui as montré tes sabab. Alhamdulillah, ça doit être notre but.
قال الشيخ مقبل رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أي كان مريضا مرض موته عليه الصلاة والسلام إلى لبيانته مغير عليه الصلاة والسلام فقال هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي إلا غادي أمني موى un kitab, je vais vous dire, écrivez, je vais vous dire des choses. Vous ne vous égarerez pas après moi. Et si vous suivez ces choses. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. عمر رضي الله عنه, il a compris من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم il était très fatigué à cause de cette maladie. Et le Coran nous suffit. عمر il a compris هكذا. واختلف أهل البيت واختصموا. D'autres ils ont compris là. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a dit il va nous dicter telle chose, il doit le faire. فاختلفوا واختصموا. Ils ont divergé. في البيت, dans cette maison, il y avait le prophète صلى الله عليه وسلم malade. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. Quand ils ont divergé auprès du prophète عليه الصلاة والسلام, le prophète صلى الله عليه وسلم il leur a ordonné de sortir. Il n'a pas écrit ce kitab, il n'aura pas dicté qu'est-ce qu'il doit faire. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية أي المصيبة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب اختلافهم ولغطهم. ابن عباس رضي الله عنه il a démontré à ce qui a empêché que le prophète صلى الله عليه وسلم dicte ce kitab, c'est cette divergence qui a eu. وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين. تلاحى أي تنازع. النبي صلى الله عليه وسلم il voulait leur informer c'est quand la nuit du destin. فتلاحى رجلان من المسلمين. Deux musulmans تنازعوا, ils ont divergé. فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré que quand ces deux musulmans ils ont divergé, ils n'étaient pas d'accord, فرفعت. أي النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas pu les informer. وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. والنبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré لعل ينحكمة. هي الحكمة عظيمة. وعسى أن يكون خيرا لكم. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a démontré إن شاء الله ça sera un bien pour vous. ففت الاجتهاد أي pour rechercher la nuit du destin la 9e, la 7e et la 5e. أي la 29e nuit de Ramadan, la 27e et la 25e. Ça montre que la Laylat al-Qadr elle n'est pas toujours dans la même nuit. Et que d'ailleurs ça montre avec d'autres hadiths أن الغالب elle est dans les 10 dernières, elle est dans les 10 dernières nuits de Ramadan. وربما تنتقل لكن dans les nuits impaires كثيرا. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a démontré le 29, le 27 et le 25. Enfin, ces trois nuits c'est le plus souvent Laylat al-Qadr elle est dans ces trois nuits. Enfin, le muslim yajtahid dans ces trois nuits akthar, 25, 27 et 29. ولعل يأتي هذا معنا dans notre درس في الصيام إن شاء الله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. النبي صلى الله عليه وسلم au départ il faisait الاعتكاف la moitié de رمضان. Il recherchait la nuit du destin. Ça nous montre un amin maqasid al-i'tikaf, c'est de rechercher la nuit du destin et rester fil majid et faire des efforts laylan wa nahar. C'est pour ça que la sunna c'est de faire l'i'tikaf les 10 derniers jours.
فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقاني معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان إلى أن قال مسلم رحمه الله وقال ابن خلاد مكان يحتقاني يختصمان بمعنى متقارب. الشيخ مقبل رحمة الله عليه il cite ces hadiths pour démontrer la divergence entre musulmans فيها ضرر, ça fait du mal. وروى أبو داود بسند صحيح عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. هذا في السفر quand il voyageait رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم et il s'arrêtait dans certains endroits. Il y avait plusieurs groupes. Certains ils s'asseyaient vers tel arbre, d'autres vers tel arbre, d'autres tel endroit. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. Il leur a démontré un ce dispersement, un petit groupe vers tel arbre, un autre groupe vers tel arbre, un autre groupe un peu plus loin. Il leur a démontré هذا من الشيطان. فتأملوا هذا الحديث. Cette chose de nos jours, probablement, nous ne faisons plus attention. Il y en a le khilaf, il est kathir dans des masaïls graves. Hein. Lakin, à leur époque, même cette chose, à la base, il n'y a aucun mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a démontré même cette dispersion. Quand on est en voyage, là, vous venez tous au même endroit, on reste ensemble. Qala, falam, yanzil ba'da dhalik manzilan, illan dhamma ba'duhum ila ba'd. Après avoir entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba radiyallahu anhum, quand ils voyageaient, da'iman, ils restaient ensemble. L'un à côté de l'autre. حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. Il disait un si واحد il aurait pris un bout de tissu, enfin il aurait pu les mettre tous en dessous, tellement qu'ils étaient proches, serrés. Ah, quand ils ont fermé les portes à Shaitan. هؤلاء الآن رضي الله عنهم أنهم ils ont fermé le bab à Shaitan. حتى sur ce point, فما بالك dans les autres مسائل. C'est pour ça qu'Ibn Mas'ud رضي الله عنه quand il a fait salat derrière Uthman رضي الله عنه. Et Ibn Mas'ud, il voyait qu'il fallait faire deux. Et Uthman, il a fait quatre. Quand ils lui ont dit, pourquoi tu fais pas deux? Il a dit, al-khilaf ou char. Ils ont fermé les portes au khilaf. Les anna la divergence, ça arrive, la compréhension. Et ijtihad. Combien de masa'ils on voit ensemble? Il y a un khilaf, bayna ahl al-ilm et le hadith, c'est le même. On a eu un exemple dans notre dars précédent, sur Sia. Le hadith, c'est le même, ça arrive. Allez, hada. As-Sunni fait attention à la divergence, que ça ne divise pas ton cœur avec celui de ton frère. Et Shaitan y rentre. قال وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فإني أكره الاختلاف. Il détestait هم الاختلاف. Ils détestaient l'ikhtilaf. Ils savent que le shaitan y rentre min hadha al-bab. Et nous, on doit ressentir hadha kadhalik. Ne pas être heureux que tu as ce qawl et ton frère et il a un autre qawl. Que pour avoir ce qawl et pour diverger avec ton frère. Ba'dan nas, iyadan billah, ils ont hadha al-marad. On dirait qu'ils veulent un qawl que pour ne pas être comme les autres. Ça, en fait, ça vient d'une tarbiya qui n'est pas une tarbiya qui est fondée sur sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu analyses, le kafara, ils appellent beaucoup à hada, à être différent, à avoir ton propre avis. Ils appellent beaucoup à hada. Les malali, ils n'ont pas de dîn. Mais nous, là, tant qu'on peut être ensemble, avoir le même qawl, on fait des efforts. S'il y a une divergence et ça arrive, Cheikh Mukbil, rahmatullah alayhi, il va citer comment se comporter. فَأَنْتُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ يَا أَهْلِ السُّنَّةِ لَسْتُمْ كَالرَّوَافِضِ يكفر بعضكم بعضا وهكذا رؤوس الاعتزال يكفر بعضكم بعضا كما في كتب الملل والنحل. لماذا؟ لأن من صفات أهل البدع الافتراق والتفرق ومن صفات أهل السنة والجماعة الاجتماع.
C'est pour ça qu'ils les ont appelés Ahl-Sunnah ou Al-Jama'a. C'est un groupe. Ou Ahl-Bid'a ou Al-Furqa. Parmi les caractéristiques de Ahl-Bid'a, c'est la division. Tu trouves Al-Rawafid, ils sont divisés en plusieurs groupes. Al-Kafara Kadalik, ils sont divisés en plusieurs groupes. Amma Ahl-Haq, famine Awsafihim, parmi leurs caractéristiques, c'est Al-Ijtima'a, Al-Jama'a. Sunni, il aime bien le Jama'a. C'est pour ça qu'il obéit au gouverneur, c'est pour ça qu'il revient aux savants. C'est pour ça que Ahyanan, il ferme les yeux sur des choses pour préserver le Jama'a. Il patiente pour préserver le Jama'a. À m'en vouloir absolument avoir le dessus, quitte à diviser tout le monde, ça, c'est pas min al-hikma. Ça, c'est min al-jahl et min al-dha'f. Qala, amma ahl-sunna falhamdulillah, ghalibu ikhtilafihim fi mafhum hadith fi ibadat, waradat an al-shari' mutanawwi'a, ou fi hadith ikhtalafat anzaruhum fi tasihihi wa tadhaifihi, la ghayri dhalik min asbab al-ikhtilaf allati dhakaraha Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Cheikh al-Islam, il a traité ce sujet dans une risale à Nafi'a, à Raf'u al-Malam, an il-a'immat il-a'lam, wa dafa'a an a'immat il-ilm al-sunnah. Il a écrit cette risale, elle est très courte, pour démontrer an al-khilaf, ça arrive, la divergence, il a démontré les causes, et kadhalik, il a démontré an al-sunni doit respecter l'ulama, même s'il y a des divergences. Les divergences, ça arrive dans le fiqh. أما الحمد لله العقيدة واحدة المنهج لي واحد لكن la compréhension dans certains sujets في الفقه في العبادات ça arrive كم من مسائل اختلفوا فيها que ce soit في الصلاة que ce soit في الحج que ce soit في الصيام اختلاف كبير واسع لكن أولا tu dois savoir أنه il y a des أسباب il y a des causes parmi ces causes il a cité هنا أن الاختلاف يكون في مفهوم الحديث. Aïe, ils ont le même hadith, lakin tel savant il l'a compris de telle façon, un autre il l'a compris de telle façon. Ça peut être un khilaf fi sahaba radiyallahu anhu. Les sahaba ils ont divergé dans certains sujets de fiqh, ou min babi aula ceux qui sont venus après. Kadhalik, la cause ça peut être sihhat al hadith. Certains savants ils pensent que ce hadith il est sahih, d'autres ils disent il est da'if. Enfin, ceux qui pensent qu'il est sahih ils vont dire telle chose il faut la faire, مثلاً. Ceux qui disent il est daïf, ils vont dire il n'y a pas de dalil. Ça fait une divergence. Et à ce cas, le sunni il doit avoir un comportement. L'alim qui fait un ijtihad et il fait des efforts pour avoir le haq, on ne doit pas le mettre au même niveau qu'un mubtadi' un munharif qui combat le haq et qui divise volontairement. A'oudou billah. Ça, ce n'est pas maslak ahli sunna, ahli hikma, abadan. Donc, ce qui fait beaucoup de mal dans ce genre de point, c'est ne pas discerner entre Ahl al-Haq ou Ahl al-Batil, entre l'ulama ou l'juhal, entre celui qui a une bonne niya, celui qui a une mauvaise niya. Wa'ad al-Nas, iyadan billah, ils exagèrent, anna wahid si fait un khata, et à voir si c'est vraiment une erreur. Al-Ba'd, ils accusent un tel d'avoir fait une erreur, dès que tu viens à rechercher, c'est pas une erreur. Lakin, si on qadra anna c'est vraiment une erreur, al-ba'd il se précipite anna celui qui avait une erreur, c'est forcément un égaré. Na'oudou billah. Na'oudou billah. C'est pour ça qu'on conseille les frères de donner de l'importance à ce genre de rasa'il. Que ce soit cette nasiha de Cheikh Mokbil, que ce soit Raf al-Malam, de Cheikh al-Islam ou autre. Anahoum, il démontre comment se comporter. Et on répète, la ifrat ou la tafrit. Pas d'exagération et pas de temi'i, kadhalik. Anna wahid il fait des masa'ib et combat ahl al-haq. Il a été conseillé, il veut parvenir et qu'annahu il a rien fait. Là, le juste milieu. Et pour suivre le juste milieu, il faut revenir à Ahl al-Ilm. Wallahi, tu peux réfléchir, tu cherches la mas'ala, comment faire. La solution, c'est revenir à Ahl al-Ilm. Notre ilm, il est faible. Notre compréhension, elle est faible. On n'a pas beaucoup d'expérience, on n'a pas lu beaucoup de livres. On n'a pas vécu assez de choses pour comprendre certains points. Faroubama, on veut le khayr et on pense que c'est comme ça. Et si on ne revient pas à Ahl al-Ilm, ça fera plus de mal qu'autre chose. Revenir à Ahl al-Ilm, c'est eux qui connaissent le maslaha. C'est eux qui connaissent le mafsada. C'est eux qui savent est-ce qu'il faut parler sur Foulan, est-ce qu'il faut patienter sur Foulan, est-ce qu'il faut faire telle chose. Amma, on délaisse, chacun il fait ce qu'il veut. Et soi-disant, il revient au Adillah, alors qu'il n'a pas le Qudra, là, ça fait que du mal, là.
Donc tu as deux choses, faire des efforts fil ilm et revenir à ahl al ilm. Si on fait tous des efforts dans ces deux points, on fait tous des efforts fil ilm, beaucoup de masail on va les comprendre. Vous avez remarqué que An-nas, vu qu'ils n'ont pas étudié l'ilm et ne donnent pas de l'importance au ilm, rubbama anta tu choisis un qawl. On parle du fiqh, on ne parle pas de masail des usul la yajouz al-ikhtilafia. Là, on parle du fiqh. Toi, tu as choisi un qawl. Et ce qawl, matalan, c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, matalan de Shir Ibn al-Taymin. Muhim, beaucoup de savants ma'ak, tu as choisi ce qawl, tu as étudié la masala, tu penses que c'est cet avis. بعض الناس بسبب الجهل يشوزي ان اوت قول كي لا با ايتوديي لا مثلا الى اونتوندو ان كور او الى لو دون ان ليفر ان il faut faire telle chose ثم il voit que tu fais pas tu as un autre avis pour lui on dirait que tu خالف القران والسنه والاجماع et tu as deux doigts de l'inhiraf لماذا لان الجهل il aurait étudié l'ilm il saurait que cette masala il y a un khilaf kabir بين اهل العلم. Beaucoup de savants ils ont choisi ce qawl, d'autres ils ont choisi ce qawl. Donc ce n'est pas un sujet où si tu choisis un autre qawl, tu es un égaré. Abdan. Fiyad al-Hal, si c'est entre talabat al-ilm, là, on discute sur le sujet, un iqash ilmi, je cite mes preuves, tu cites tes preuves, on recherche l'avis, Cheikh l'Islam, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh l'Albani, qu'est-ce qu'il a dit. Si on arrive, on est d'accord, alhamdulillah, si on n'est pas d'accord, ça nous a rapprochés. On a fait cette recherche ensemble, on a eu du ajr ensemble, et alhamdulillah, tu reconnais mes efforts, je reconnais les tiens, tu me respectes, je te respecte. Mahabba, et on avancera ensemble. Lakin l'an al-ba'ad, Cheikh Foulani l'a dit, si tu dis, mais Cheikh Antel l'a dit, on dirait que t'es un égaré. C'est pas hakad al-ilm. Lakin, c'est quoi la cause al-jahl? Ba'd al-nas, il a lu une risala, il croit que tout le ilm, c'est cette risala. Surtout fi masail al-fiqh. Combien وعظ المسائل العلماء يسيت 15 20 30 قول 10 avis 15 avis 20 30 que ça soit ليله القدر par exemple ou autre في هذا الحال celui qui veut le khair fait des efforts في العلم اما واحد il veut que tout le monde suive son avis c'est ça qui fait c'est ça qui sème la division التواضع c'est important la modestie est donner de l'importance au ilm والله نحن on a encore rien fait في العلم. On est qu'au début, vraiment au début. On n'a pas le droit de se précipiter et accuser un tel et un tel min ahl al-ilm qui ont fait beaucoup d'efforts et tous ces sacrifices qu'ils ont fait. Wahid vient, il a lu quelque chose et il accuse l'autre. C'est un qawl batil. Alors que c'est des a'imma qu'on soit juste ce qawl. Là, al-adab. Là, vous avez remarqué que depuis qu'on lit cette risala, c'est beaucoup lié au ilm. Beaucoup de ces masa'ib qui arrivent et cette divergence, c'est à cause de l'jahl. Et la mauvaise niya. Deux choses. L'ignorance et la mauvaise intention. Même le jahl, l'ignorant, il ne connaît pas grand-chose. S'il a une bonne intention, alhamdulillah, ça l'aidera beaucoup. Lakin, ce qui fait beaucoup de mal, c'est le jahl ma'a sou al-qasd. Une mauvaise intention. Il ne sait pas et il ne veut pas écouter. La chakana mit la haoula, ils font beaucoup de mal. Qala Sheikh Muqbil, rahimahullah. وأما أهل السنة فالحمد لله غالب اختلافهم في مفهوم حديث في عبادات وردت عن الشارع متنوعة أو في حديث اختلفت أنظارهم في تصحيحه وتضعيفه إلى غير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Donc إما صحة الحديث إما مفهوم الحديث. Ça c'est les deux principales causes de divergence entre أهل العلم. Emma, ils ont le même hadith, là, la compréhension, c'est pas la même. Soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Cette masala qu'on a vue dans le dors précédent. Certains savants, ils ont dit le premier pied qui jeûne, tout le monde suit. D'autres, ils ont dit soumou li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ils sont dans le même matali' al-hila. Kadalik min al-asbab, min haith al-sihha wa al-dha'af. Aïe, sihha al-dalil, al-hadith. Certains savants, ils ont fait un ijtihad, ils ont dit les da'if. D'autres savants, ils ont fait un ijtihad, ils ont dit les sahih. Et ahyanan, c'est très très précis. Le hadith, il faut beaucoup d'efforts, un long bahth il arrive pour savoir est-ce qu'il est sahih ou la. Qala antum ta'lamun ya ahl as-sunnah anna a'da'akum yashmatuna bikum wa anna a'da' al-islam ma yahabuna illa iyyakum fahum yuhrisuna 'ala tashtit shamlikum bi ayyi wasila. Hakadha kadhalika as-sunni doit bien comprendre ce point.
أن أعداء السنة أعداء الإسلام يفعلون كل شيء لتفرق المسلمون بالأخص السلفيون أهل السنة. نحن لا يجب أن نقع في الخطأ. La moindre chose, on se divise, pas de patience, pas de nasiha, pas de remise en question. Hakada, on se divise, et l'a'da, ils sont contents. Sache que l'ijtima', que ce soit un rassemblement autour d'un dars, un rassemblement avec des frères, dans une ville, dans un pays, a'da Allah, al-shaytan, wa junoud al-shaytan, min al-ins wal-jin, ils feront tout pour diviser hada al-jam'. Ils ont essayé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa ila yawmina hadha. Et ils font tout pour diviser les musulmans. قال ان الواجب على اهل السنه ان يكونوا مهيئين لحل مشاكل العالم كله فهم اهل لذلك. Cheikh Muqbil rahmatullah alayhi montre que اهل السنه c'est eux اهل الحق. Ils doivent faire attention de ne pas se diviser. Et al-a'da ils jouent avec eux. Là, ils doivent tout faire pour rester unis. Et Al-Mujtama' il a besoin d'eux. C'est pour ça qu'il a dit An yakunu muhayya'in li hal mashakil al-alam kulli. C'est eux qui doivent résoudre les problèmes bi'idnillahi azza wa jalla. Que ce soit les problèmes dans les maisons, avec leurs parents, avec leurs voisins, que ce soit les problèmes fil masjid, à la mosquée, que ce soit les problèmes dehors, dans la rue, que ce soit les problèmes politiques ou autres. Normalement, c'est Al-Sunnah. Qu'ils ont le haq et qu'ils doivent montrer aux autres. Amma perdre notre temps à se diviser. Et dès que tu viens rechercher la cause, il n'y a pas grand chose. Et Shaitan, il en profite. Et kullu wahid, il veut imposer son qawl, la fierté, l'orgueil. Personne ne veut s'en mettre en question. Personne ne veut revenir. Hakada. Al-harb, entre nous, al-a'da, ils sont tranquilles et ils sont contents. Et ça avance pas. Vous avez remarqué, hada, que ça avance pas beaucoup. L'imada. L'imad, il y a la division. Quand tu es divisé, les fitans, tu ne peux plus avancer. La fil ilm, la fil amal, la fil da'wa, la fil shay. Fakat Fulan, il a dit, Fulan, il va faire, Fulan, ils ont dit, hakada, on perd notre temps. Alors que l'umma, elle a besoin. Dans tous les domaines, fil aqida. Comme minan nas harafu, minan muslimin fil aqida. Tahrif wa ta'til et des shubah, yadam billah. Fi at tawhid. Comme minan nas, ils ont des problèmes fil tawhid. Fi l'ibadat, fi al-manhaj, combien de musulmans ils ont des problèmes avec les gouverneurs, avec ils comprennent pas encore ces messaïl. Enfin, un sunni, al-haqiqa, il a beaucoup de travail. Et qui c'est qui va montrer à Ha'oula si c'est pas al-sunna? On va attendre al-ikhwan, al-muslimoun qui montre. Abadan, c'est des égarés. On va attendre jama'at al-tablir. Abadan, c'est des juhal. On va attendre qui? Et là, al-sunna bi-idnillahi azza wa jal. Qala. فهم أهل لذلك وأحق به فهم الذين أعطاهم الله فهم الكتاب فهم كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه الصحيح إن أهل السنة يعتبرون أكثر العالم الإسلامي ولكن تفرقهم واختلافهم وجهل أهل كل شعب بأحوال الآخرين جعلهم يذوبون في المجتمعات. Si tu regardes, fait le haqiqa, les sunnas, ils sont kathirs, walillahi alhamd. Ils sont beaucoup, dans plusieurs pays. Lakin, pourquoi ça avance pas, ou ça avance pas comme ça devrait avancer? Al-ikhtilaf. Wal-fitan. Wal-qil wal-qal. C'est ça qui fait ralentir. Et vous avez remarqué que toutes ces fitan qui se passent l'un entre les sunnas et toutes ces divisions, fait le haqiqa, ça vient des ennemis de l'islam. Imma, ça vient d'eux directement. Imma, ils utilisent ahl al-bida' pour diviser tout le monde. Pourquoi ils veulent diviser tout le monde? Ils savent que les sunnah, ils ont le haq. Et ils savent que si les sunnah, ils se concentrent sur l'ilm, ou l'amal, ou l'da'wa, kathirun minan nas, ils vont revenir au haq. Et si les gens, ils reviennent au haq, le kuffar et ceux qui les suivent, ils ne seront pas tranquilles. Allez, hada, da'iman. Une fitna, elle s'éteint, une autre, elle vient. Pourquoi? Liana, hada, c'est poussé. Hada, c'est manipulé de l'extérieur, lakin, ba'd al-ikhwa, ils sont ghafil an hada. Se rafle et Al-Ba'd il pense qu'à eux à défendre sa position et il oublie tout le reste. Un qawl, Rubama, une parole que tu dis, ça divise un groupe, jamais. Rubama, un mouqif que tu n'as pas, tu ne patientes pas, ça fait beaucoup de mal. Alors que c'est du din. Tu ne défends pas ton œuf, tu ne défends pas une entreprise, tu défends din Allah Azza wa Jal. Enfin, on doit faire des concessions, on ne pense pas qu'à nous, on ne pense pas qu'à notre position. Là, le sunni, il faut qu'il patiente. Il y a des choses, ça te blesse. Subir.
Il y a des choses, Rubama, si tu l'as fait, tu auras perdu telle chose ou telle chose dans la dunya. Isbir, si tu patientes, fal ajr indallah, il est a'zam. Il faut des concessions pour se dire. Amma al-ba'd, ils ne font pas de concessions, ils ne patientent pas, et ça sème la discorde entre les frères. Qala, wa inna lanarju an yuwaffiq Allahu al-qa'imina bid-da'wa lis-sunnah. لتفقد أحوال أهل السنة ونشر والنشر عنهم وعن أحوالهم وعسى الله أن يجمع شملهم. Faire des efforts في الدعوة, s'entraider, se pardonner, patienter, se conseiller, s'orienter, tout ça بإذن الله عز وجل, il y aura du khayr. Ton frère aujourd'hui l'a fait une faute, demain ça sera toi. Pardonne-lui aujourd'hui, inshallah demain il te pardonne. Ton frère il a pas compris, explique-lui. Wahakada. Cette dunya, c'est ibdila. C'est ibdila. Lakin, ne pas oublier anna l'ishtima', c'est un asl azim min usul hada din. Et on a étudié ensemble la risala de Cheikh Abdussalam, rahmatullah alayhi. Anna min usul hada l'manhaj an-nabawi, c'est al-ishtima'. Wa'atassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Qala, awalastum ahakka nas ya ahl sunna bi jam'i shaml. ووحدة الكلمة ورب العزة يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Il cite des adillah pour montrer l'importance de l'ijtima' et fait attention à Khil Karim de pas être la cause de division, être une cause de division. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. هذا الاعتصام il est autour du haq, الكتاب والسنة. On fait tout pour s'écarter de asbab al-tafarruq. Que ça soit dunya, que ça soit les mensonges, que ça soit l'injustice, que ça soit le manque de patience, al-jahl. On fait attention. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن للمؤمن, c'est comme un édifice, une construction. Et une construction, elle a besoin de beaucoup de choses. فالمؤمن هكذا. Tous les mu'minoun, c'est comme une construction. Hada, il aide hada, hada, il supporte hada, hada, il patiente ala hada. Walhamdulillah. Wa yaqul kama fi sahihayn min hadith al-Nu'man ibn Bashir. Yaqul ayy nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad. Iza ashtaka minhu udun tada'alahu sa'irul jasad bil humma wa sahar. Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasad. C'est comme un corps. Si une partie a la mal, tout le corps il souffre. Hakada al-mu'minun. Si ton frère ça va pas, kadhalik ça te touche. Et hada ça va pousser à l'entraide. Si un de nous il va mal, ça doit toucher les autres. Quel jasad, c'est comme un corps. Si une partie du corps elle est touchée, enfin tout le corps il est touché par la fièvre, par la douleur, par le manque de sommeil. Il a akhir. Farrafida. شغلت العالم بإعلامها وأضلت كثيرا من الناس بل شغلتهم عن أداء مناسك الحج فالناس يأتون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليذكروا الله في تلك الشعائر المباركة فما يشعرون إلا بخروج الرافضة بالمظاهرات الجاهلية يهتفون خميني خميني فمن الذي يستطيع أن يفرق هذه الجموع التي عتت عن أمر ربها وجعلت الحج شعارا للفوضى والصخب والدعوات الجاهلية لا يستطيع بإذن الله إلا أهل السنة إن اجتمعت كلمتهم وكانوا أهل السنة حقا. يسيت الإكزامب الروافض كون يدو ما لفون الأمة كم ظلموا كم قتلوا كم فرقوا فكي سيكي بغا سمتر en travers de haoula, بإذن الله عز وجل, et repousser haoula, إلا أهل السنة, لكن بالشرط, c'est d'être uni على قلب واحد, et d'être des أهل السنة حقا كما قال. فالسلفية, أو السنة, c'est pas مجرد une apparence, لا, c'est une عقيدة, c'est un منهج, c'est des أعمال. C'est ça qui veut démontrer الشيخ مقبل, وكانوا أهل السنة حقا. C'est pour ça qu'on a étudié ensemble les fondements. لأن بعض الناس تلونت أنه إلى من أهل السنة أو بعض الناس يبخطند أنه إلى من أهل السنة يتبع الأعمال والأخلاق والمواقف ستخل واندل السنة فإسك سسوفي لا العبرة بالحقائق إنو نبقى على بغي النقص اللي حاصل
Lakin on fait des efforts fiha. Awwalan, on apprend aqidat ahl sunnah. Un sunni doit être à l'aqidat ahl sunnah. Et en fait, l'aqidat, c'est l'asl. Si l'aqidat est sahiha, ce sunni sera à la quwa wa thabat. Amma, une petite chose, et ça zazza'a tout le monde, lien à l'aqidat, les dhaïfs. Awwalan, renforcer sa aqidat, l'apprendre, la mettre en application. Kadhalik, faire des efforts dans le comportement, étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des sahaba, faire des efforts, faire l'ilm. Et inshallah ta'ala, tu verras que ça ira beaucoup mieux. Amma une étiquette, faqat. Thumma, pas d'efforts, faire l'ilm. Surtout l'aqida ou tawhid. Pas d'efforts dans le bon comportement. Faqat dunya, l'ayl nahar, le commerce, les projets. Une fitna, elle vient, elle divise tout le monde. C'est pas interdit de faire du commerce, c'est pas interdit de travailler et la akhiré. Lakin as-sunni les combattu de toutes parts. Fa akhil karim, donne du temps à ce ilm. Si tu donnes pas du temps au ilm, tu dois connaître ta place. Al-jahil, c'est un jahil. Al-muqallid, c'est pas un alim abadan, bel c'est pas un talib ilm. Al-muqallid, c'est un muqallid. Fa al-muqallid al-jahil, si il est occupé par dunya, fa la yadkhul fi umur la yuhsinuha. Tu ne sais pas de monde. On te conseille, écoute, et tu connais ton rang. Moi, je n'ai pas étudié, je ne fais pas d'efforts fil'in, je suis occupé par certaines choses. Alhamdulillah, il reste à sa place, c'est notre frère à la khair. Al-musayib al-an al-ba'd. Ni lecture, ni hifd, ni dirasa, ni ilm. Wallahi, ba'duhum, rubama, il ne sait pas réciter le fatiha, il ne connaît pas l'alphabet, rubama. Et il rentre dans des messages, et rubama, il va naqash un frère qui a fait des efforts fil'in. Ça, c'est minat zulm. Celui qui ne sait pas, il ne sait pas. Il n'y a aucune honte. La honte, c'est de ne pas reconnaître sa situation. Mais celui qui reconnaît sa situation, inshallah, ça pourra le pousser un jour à un déclic qui fait des efforts fil ilm. قال إن هذه اليقظة الإسلامية التي أرادها الله تحتاج إلى رعاية ومن يقوم برعايتها إلا أهل السنة. Vous avez remarqué ces dernières années, depuis cette époque où Cheikh Mokbil il a écrit cette risale, إلى يومنا هذا كثير من الناس يرون في دين الله. Des jeunes, bil-akhas, yaltazimoun, yastaqimoun, ils s'accrochent à la sunna. Walillahi l'hamd, des gens, c'était pas des musulmans, ils se convertissent. Et des musulmans, walillahi l'hamd, ils s'accrochent plus à la sunna. Lakin, comme a dit Cheikh Mokbil, tout ça, il faut la ri'aya. Qui c'est qui va aider Haoula? C'est la sunna. Khassatan al-ulama wa talabat al-ilm. Enfin, ce groupe, ahle sunna, c'est le groupe qui a le haq, walillahi l'hamd, lakin, il a besoin de revenir au savant. Amma kullu wahid, il dit une chose, chez toi, si al-umur, elles ne sont pas réglées, tamamen, mon dhabita, matalan, c'est le mari qui gère, c'est le père de famille qui gère, fi baytik, t'arriveras plus à gérer les choses. Anta, tu vas dire un kalam, un autre, il va dire un autre kalam, un troisième, un kalam, et c'est une vie de ta'b. C'est pour ça que le mas'ouliya revient au père, au mari, Rabbul Bayt. Ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa. Le pays, neuf ce chez un pays où il n'y a pas un gouverneur qui obéit, c'est la fawda. Des élections, tomma, ils font des grèves, tomma des autres élections, tomma manifestations, rébellion, wa hakada. Sinin, ils sont fi ta'b. Un pays qui obéit au gouverneur, fi ta'atillah, et quand il y a une ma'asiyya, il patiente, wa yad'u Allah, et tout le monde garde son calme, alhamdulillah, ça avance. Ad-da'wa kadalik. Une da'wa. Anna, al-shabab khas, ils reviennent à ahl al-ilm. Quand il y a une mas'ala, personne ne se précipite, tout doucement. S'il y a une fitna, on patiente, hatta yaftah Allah, on fait des recherches bil-ilm, bil-adab, tout doucement, et on revient à ahl al-ilm, vous verrez que beaucoup de choses, ça ira très vite. Amma, wahad il parle, wahad il est d'accord, wahad il est pas d'accord, wahad il avance, wahad il recule, wahad à droite, wahad à gauche, une division wasil. Donc tout ça, ça demande un mordi'. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala قال يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Vous avez remarqué, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité l'asl, les sources, le Coran ou le Sunna, et كذلك المرجع. Même si c'est le Coran et le Sunna, lakin on ne revient pas au gouverneur, au savant, le Coran ou le Sunna, tout le monde va les comprendre comme il veut. Wahid, il va dire tel verset ça veut dire, l'autre il va dire ça veut dire, et on se divisera. Mais revenir au gouverneur, ça va nous régler à Tonya, et revenir au savant, ça va nous régler tout ce qui est lié au dîn. Subhanak Allahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant,
أستغفرك وأتوب.